Bonjour et bienvenue dans ce 101%. Je suis un peu gênée là parce que j'ai un train à prendre bientôt. Je dois pas être en retard en plus, mais bon, vous devez avoir hâte vous aussi de savoir ce qui vous attend. Donc là, on va voir la critique de Alien Infestation, la troisième partie de la Minute du Geek consacrée aux pirates, la rubrique des smartphones et auto. Et tout de suite, les news. Et Lima, toi, t'es plutôt ninja ou plutôt pirate? Pirate. Le Mobile Robotics Group de l'Université d'Oxford travaille d'arrache-pied sur un prototype de voiture capable de se conduire toute seule. Leur bowler Wildcat dispose d'un grand nombre de capteurs lui permettant de se repérer dans l'espace avec sur le toit du véhicule un senseur laser 3D qu'ils ont développé exprès. Contrairement à d'autres projets similaires, le Wildcat ne se repose pas sur un signal GPS et des cartes préenregistrées pour naviguer, mais se repère bel et bien tout seul. On peut voir sur ces images la manière dont le véhicule appréhende son environnement. Aperçu lors du dernier TGS, ce nouveau trailer de Dead or Alive 5 met en scène Liu Hayabusa et Hayate, deux personnages emblématiques de la série, s'affrontant sur un building qui se détruit au fur et à mesure de leur combat. Il ne s'agit là que d'une version pré-alpha, mais l'ensemble reste tout de même époustouflant. DOA 5 semble bien reprendre les éléments qui caractérisent la série, à savoir un décor évolutif avec lequel on peut entrer en interaction, des contres dans tous les sens et des attaques qui en mettent plein la vue. Il ne reste plus qu'à voir si les personnages féminins garderont le charme des précédents épisodes. Mais connaissant les habitudes de la Team Ninja, on n'en doute pas une seconde. Si la grande saga d'Harry Potter s'est achevée au cinéma, ses adaptations en jeux vidéo, elles, n'ont pas fini de fleurir sur console. Plusieurs mois après la sortie du très médiocre Relique de la Mort, nous parlons ici du jeu vidéo, le magicien orphelin s'apprête à faire son retour, mais dans un genre cette fois-ci plus carré. On parle bien évidemment de Lego Harry Potter, qui retracera ses aventures de la 5e à la 7e année et dont le nouveau trailer vient de sortir. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette période est en fait la longue préparation d'Harry avant sa confrontation avec Voldemort. L'occasion pour les fans de l'œuvre de J.K. Rowling de replonger une dernière fois dans l'univers fantastique d'Harry Potter. Alors, je n'habite pas à Paris, mais j'y travaille. Et du coup, matin et soir, je prends le train pour me rendre sur la capitale. Ça fait presque 10 ans maintenant que je prends le même train et durant toutes ces années, j'ai eu le temps d'observer mes voisins. Alors au début, j'étais un petit peu toute seule avec ma DS Fat Bleu, un petit peu m'énervée parfois sur mes jeux. Je passais un peu pour une folle, je le cache pas. Mais petit à petit, j'ai vu les PSP remplacer les baladeurs et puis les DS tenus à la verticale à la place d'un livre, comme ça. Et le nombre de consoles portables là-bas a radicalement changé. Alors je m'amuse toujours un petit peu à regarder ce à quoi les gens jouent quand je descends. Donc justement, on va voir la critique d'un jeu DS. C'est Alien Infestation. WayForward Technologies est un studio que l'on apprécie tout particulièrement à nos lives. Et nous ne sommes pas les seuls à suivre avec attention le line-up de sortie de ce développeur californien. Déjà, ce sont des spécialistes de la 2D. Ce qui n'a rien de surprenant lorsque l'on sait que le studio existe depuis maintenant plus de 20 ans et qu'ils ont donc commencé sur les consoles 8 et 16 bits. Spécialisés dans les licences, on leur doit l'adaptation de Moi, Moche et Méchant sur DS ou encore du sympathique Batman, l'Alliance des Héros sur Wii. Mais ils ont aussi su créer leurs propres univers avec des titres tels que Shantae ou Mighty Milky Way sur DSiWare ainsi que le jeu d'horreur Lit sur WiiWare. Ils se sont également démarqués en relançant de vieux classiques avec par exemple le magnifique A Boy and His Blob sur Wii ou le très bon Contra 4 sur DS, deux titres entièrement réalisés en 2D. WayForward s'est ainsi forgé une bonne réputation auprès des éditeurs qui n'hésitent plus à leur confier des licences fortes comme c'est le cas aujourd'hui avec Sega et la franchise Alien. Sega a acquis les droits de la franchise Alien fin 2006 pour annoncer le développement de plusieurs jeux. Ils ont ainsi sorti en 2010 Alien vs Predator sur PC et console HD, tandis que Gearbox Software travaille toujours sur Aliens Colonial Marines pour une sortie en 2012. En attendant, on peut se mettre sous la dent Aliens Infestation sur DS, développé par WayForward en collaboration avec Gearbox.
Le jeu s'inscrit en effet dans le cadre du développement de l'univers d'Aliens, le second film de la saga réalisé par James Cameron, dont Aliens Colonial Marines constituera une suite directe. Du coup, on retrouve dans le jeu DS des environnements bien connus des fans, comme le Sulaco, le vaisseau de guerre où Ripley rencontre l'équipe de Marines qui l'accompagnera durant le film, ainsi que la planète LV-426, abritant la petite Newt. De nombreux clins d'œil sont d'ailleurs faits au film, avec la présence du fameux exosquelette Montcharge, ou encore celle de ce chat qui débarque à l'improviste histoire d'affoler votre radar et de vous foutre les jetons. Jumpscare garanti. On peut même débloquer un minigame bonus appelé le jeu du couteau, où l'on tente de reproduire au stylet la performance de Bishop. Comme dans le film, vous serez à la tête d'un groupe de Marines, une quinzaine en tout pouvant être recrutés au cours de la partie. Dispersés dans les niveaux du jeu, ces derniers n'acceptent de rejoindre votre team de 4 persos que si vous avez perdu certains de ses membres au combat. Car lorsque l'un de vos hommes décède, c'est définitif. Il n'est pas possible de le récupérer autrement qu'en reprenant votre sauvegarde. Il est bien sûr possible de diriger le Marine de votre choix, en switchant dans des pièces spéciales, qui servent aussi à sauvegarder, à changer d'arme principale, à recouvrer son énergie et à faire le plein de munitions. Chaque Marine possède ses propres dialogues lors des contacts radio avec le colonel Steele, le character design étant l'œuvre du dessinateur de comics Chris Bacalo. Réalisé en 2D, le gameplay proposé par Aliens Infestation est celui d'un run and gun classique, à la Metal Slug donc, avec un côté exploration développé, renvoyant directement à Super Metroid. On peut donc tirer, courir, s'agenouiller, faire des roulades, s'accrocher à des plateformes, balancer des grenades et utiliser divers outils et véhicules. Deux jauges sont présentes en haut à gauche de l'écran, l'une pour l'énergie et l'autre pour l'endurance, celle-ci empêchant le joueur de courir tout le temps ou de réaliser des roulades à l'infini. Fluide et maniable, le gameplay ne souffre d'aucun défaut majeur, l'écran tactile de la DS étant également mis à contribution. On peut ainsi switcher entre la map, susceptible d'être déplacée au doigt, et l'interface, qui donne accès aux armes, grenades et éventuels tirs secondaires. L'interface sert également à utiliser certains objets, comme un fer à souder pour forcer les portes, ou encore une lampe halogène, sachant qu'il est aussi possible de recharger son arme en la touchant du doigt, ou d'allumer des flares afin de marquer une pièce sur la map. Comme dans Super Metroid, il faudra réexplorer les niveaux traversés, et en particulier ceux du Sulaco, afin de mettre à profit les objets trouvés qui permettent d'accéder à de nouvelles pièces. Les grenades servent également à faire sauter certaines trappes et grilles, de manière à explorer les conduits à la recherche des clés magnétiques, d'explosifs, de marines égarés, de munitions et surtout de kits d'amélioration des armes. Fusil à pompe, lance-flammes, smart gun. Toutes les armes du jeu peuvent en effet gagner en puissance en étant upgradées jusqu'à 3 fois. Mais comme vous ne pouvez transporter qu'une arme à la fois, en plus de votre arme de poing, il faudra faire des choix difficiles. D'autant plus qu'elles sont assez jouissives à utiliser, et que certaines disposent d'un tir secondaire, comme le Pulse Rifle, qui peut être équipé d'un lance-grenade. À propos des armes toujours, sachez qu'il est possible de les utiliser en courant, voire en reculant, ce qui s'avère bien pratique. On sent bien qu'il ne s'agit pas d'une adaptation opportuniste. Aliens Infestation est un titre bien pensé, bien réalisé, qui s'inspire des meilleurs et aborde la licence Aliens avec respect. Mais n'est pas Super Metroid qui veut. Assez répétitif, malgré l'apport régulier de nouvelles armes, ainsi que de la présence de boss et de séquences de jeu parfois originales, comme ce passage en véhicule jouable au stylet, le jeu souffre aussi de menus défauts. Comme ces robots sur lesquels on tire à bout portant sans les toucher, ou ces ennemis totalement stupides qui restent debout alors qu'on les canarde en étant accroupis. On aurait aussi aimé que les Marines possèdent des compétences spéciales, ce qui aurait contribué à enrichir le gameplay. Alors qu'il avait le potentiel d'être un grand jeu, Aliens Infestation est donc un bon petit jeu, au challenge relevé et à l'ambiance réussie. Ce qui est déjà pas mal pour un jeu à licence. Alors je suis plutôt solitaire lorsque je prends mon train, parce que j'aime pas qu'on me dérange en plein jeu. Et un soir, j'ai laissé ma 3DS en veille dans mon sac. Donc j'ai commencé à me servir de la fameuse fonction du Street Pass. Alors il a fallu quand même attendre la 3DS pour que je fasse connaissance avec des gens que je croisais tous les soirs. Je pensais pas me servir autant de cette fonction. Je la trouvais un peu inutile quand Nintendo l'a annoncée. Et finalement, ben là, je prends plaisir à croiser tous les soirs les mêmes mis, les mêmes inconnus. Lorsque je monte dans mon train, paf, surprise, ah tiens, je l'ai vu lui hier, voilà. Donc là, on va regarder la troisième partie de la Minute du Geek sur les pirates. Le futur,
Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection ! Dans cette troisième Minute du Geek consacrée aux pirates des Caraïbes ou d'ailleurs, nous allons continuer d'explorer la destinée de fameux flibustiers. Après Henry Morgan et Henry Avery, nous allons parler de Calico Jack Rackham et du terrible pirate Bartholomew Roberts. Jack Rackham est sans doute surtout connu aujourd'hui en tant qu'inspiration du Rackham le Rouge de Tintin ainsi que du capitaine Jack Sparrow qui lui emprunte d'ailleurs son pavillon, le crâne flanqué de deux sabres croisés. Rackham était quartier-maître à bord du navire du pirate Charles Vane. Un jour, les pirates croisent la route d'un manoir français, mais Vane préfère fuir. Rackham appelle alors au vote de l'équipage et Vane est jugé lâche et destitué de son titre de capitaine au profit de Rackham. En 1719, Rackham accepta le pardon de Woods Rogers et se rangea de la piraterie. Il tomba amoureux d'Anne Bonny, une femme mariée. Comme elle risquait d'être jugée pour adultère, ils s'enfuirent tous deux à bord d'un navire volé, annulant le pardon royal. Redevenu pirate avec Anne à ses côtés, celle-ci se déguisant en homme pour ne pas attiser la superstition de l'équipage, Rackham croisa bientôt la route d'un navire hollandais à bord duquel servait un beau jeune homme nommé Mark Reed, qui rejoignit les pirates. Il s'avéra que Mark était en fait Mary Reed. Rackham se retrouva donc avec deux femmes pirates à son bord. En 1720, alors que l'équipage était sous, le navire fut attaqué par le chasseur de pirates Jonathan Barnett. Seules Anne et Mary étaient en état de se battre et se défendirent sauvagement, mais ne purent empêcher la capture de Jack et de l'équipage. Les deux femmes clamèrent être enceintes et échappèrent ainsi à la peine de mort. Lorsqu'on lui demanda de témoigner au procès de Jack Rackham, Anne Bonny aurait dit cette phrase, devenue célèbre, « S'il s'était battu comme un homme, on ne le pendrait pas comme un chien ». Jack Rackham fut pendu au large de Port-Royal, et on peut le voir au début du film Pirates des Caraïbes, assorti d'un panneau « Pirate, vous voilà prévenu ». On ne rentrera pas dans les détails de la vie de Bartholomew Roberts, qui fut peut-être le plus célèbre pirate de son époque. Considéré comme un héros pour certains, Roberts était un homme courageux qui ne supportait pas la lâcheté et avait quelques traits de caractères amusants. Ainsi, il préférait le thé au rhum. C'est à lui que l'on doit le fameux code de la piraterie. Il fut fauché par un tir de mitraille durant une bataille, et sa mort est souvent considérée comme marquant la fin de l'âge d'or de la piraterie. Alors, il y a pas que les consoles à bord de mon train, hein. Il y a aussi les smartphones petit à petit, et puis les tablettes aussi, qui ont fait leur apparition. Alors, exit le vieux portable et son bon vieux Snake, c'est Doodle Grub maintenant qui a pris le relais. Enfin, c'est pas plus mal, parce qu'il y en avait toujours un qui ne savait pas désactiver le bip de son téléphone portable. Je suis sûre que vous aviez le même. C'est vrai, il est un petit peu énervant avec son bip, bip, bip. Ah. Enfin bon, ça tombe bien, puisque là, tout de suite, on regarde la rubrique des smartphones et des tablettes. Quelques studios parviennent sans mal à se démarquer sur les plateformes mobiles et les tablettes tactiles, Halfbrick en fait incontestablement partie. Les développeurs du sympathique Fruit Ninja, disponibles sur Android, Windows Phone et iOS, ont ainsi récemment sorti sur iPhone et iPad Jetpack Joyride, un superbe jeu de plateforme action mettant en scène un petit VRP qui découvre les joies du jetpack. Fonce de gauche à droite et à l'aide d'une multitude de jetpacks différents, mais également d'autres véhicules, parfois bien ridicules, il faudra parvenir à collecter des pièces tout en évitant pièges et ennemis pour tenter d'aller le plus loin possible. Un système d'upgrade permet de modifier son équipement et d'acquérir de nouveaux items, le jeu étant visuellement bluffant. On peut d'ailleurs s'empêcher de penser à Metal Slug, l'un des plus beaux jeux 2D de tous les temps. Une vraie petite merveille de gameplay bourrée d'idées hilarantes, comme ce jetpack téléporteur par exemple. Toujours chez Halfbrick, une version brandée de Fruit Ninja devrait voir le jour fin octobre sur les plateformes iOS. Le jeu s'update ainsi aux couleurs du prochain long métrage en images de synthèse Puss in Boots, alias Le Chapeauté en France, prévu pour fin novembre, qui reprend le personnage du chat escrimeur et beau parleur de la saga Shrek. Un peu à la manière du Angry Birds brandé Rio, cette version revue et corrigée reprendra le gameplay du jeu de base. Avec cependant quelques petites nouveautés, comme des challenges liés à la précision du joueur dans le tranchage de fruits et l'apparition de la tomate. Fruit Ninja. 2K Games, Electronic Arts, Konami, Namco Bandai Games, Square Enix, tous les gros éditeurs se mettent à développer ou éditer des jeux sur les plateformes mobiles. Sega vient ainsi de sortir sur iOS une adaptation de leur jeu d'arcade Brick People. L'idée, très simple, consiste à empiler des briques de manière à ce que de petits poussins puissent grimper dessus et ainsi saisir tous les bonus présents à l'écran, dans un ordre déterminé ou non. Il faudra aller vite, très vite, le compte à rebours étant conservé au fil de la progression de niveau en niveau, des séquences bonus permettant de grappiller quelques secondes pour tenir un peu plus longtemps et ainsi réaliser le plus gros score possible.
Les poussins, alias les Brick People, se déplacent seuls, un peu comme des lemmings, et il faudra faire en sorte de créer des structures qu'ils pourront escalader aussi vite que possible. Jouable en solo, ce titre Sega propose également un mode versus où deux joueurs pourront s'affronter en écran splitté ou en ligne. Très simple, kawaii comme pas possible, Brick People se destine avant tout au grand public, mais les amateurs de jeux d'arcade japonais seront ravis de pouvoir essayer ce titre chez eux. Après une courte période d'exclusivité sur Xperia Play, Minecraft, le blockbuster bac à sable de la scène indépendante, est maintenant disponible sur l'ensemble des terminaux Android en version 2.1 ou supérieure. Au programme, une reprise du mode classique du jeu. Comme sur PC, le joueur se retrouve donc au milieu d'une vaste map générée dynamiquement et dispose de 36 blocs, lui permettant de construire son monde du bout des doigts, seul ou accompagné, grâce à un mode multijoueur local. Minecraft Pocket Edition adopte une maniabilité commune à de nombreux FPS sur mobile. Un pad virtuel sur la gauche de l'écran permet de se déplacer et de sauter. Faire glisser le doigt sur l'écran dirige la caméra, un clic permet de poser un bloc, une pression longue de le détruire. Le jeu dispose également d'une maniabilité optimisée pour le Xperia Play en utilisant le pad et les boutons spécifiques du téléphone de Sony. Les habitués regretteront l'absence du mode survival, mais Mojang promet de fréquentes mises à jour et ajouts de contenu. Le craft, le cycle jour-nuit et autres monstres ne devraient donc pas tarder à pointer le bout de leur pixel. Minecraft Pocket Edition est disponible sur l'Android Market pour environ 5€. Une version démo est également disponible pour tester la bête sur votre terminal. Quant à la version iOS, elle est attendue pour la fin de l'année. Je joue dans le train pour m'occuper, mais récemment, j'étais dans l'obligation de bannir un jeu de mon sac. Et bah c'est Lumines 2. C'est pas que je le trouve mauvais, hein. Au contraire. Je le trouve extrêmement captivant et limite hypnotisant. Et donc, la première fois que j'y ai joué, j'ai bataillé pour arriver au moment où il y avait Evenly Star de Genki Rockets qui démarrait. J'étais toute contente, j'ai pas arrêté de jouer, et sauf qu'à un moment, j'ai fini par lever la tête, et je venais de manquer ma station. Et moi, mon train, quand je rate une station, c'est pas deux rues plus loin où j'atterris. J'atterris deux villes plus loin. Donc voilà, grâce à Lumines, je me suis perdue dans un patelin paumé. Mais bon, désolé Lumines, hein, je suis obligée de t'abandonner. Voilà, je me suis laissée entraîner par ta musique. Bon, là, je vais plutôt me laisser entraîner par... Manga Party Festival. On a pu rencontrer Amui, Loveless et Trildan, et pour ce live report, Suzuka sera votre guide. お願いします。いや、私がアムウェイです。よろしく。インドシヌのニコラシルキスさんと、コラボなさってますけど、あれは一体どういう経緯で？私がずっとニコラに好きなので、私もフランスでリリースしていくので、よろしくと言って、彼にデータを渡していたんですけど、彼が今回日本の震災のために何かしたいということで、彼も日本語で歌って、私も日本語の歌詞を つけてっていうか、トランスレートして彼に渡していたものを一緒にこの機会にフューチャリングしました。そのリリースした CD が売れたお金は日本に全部寄付されます。これはアドシンのニコラが全部自分で負担して日本のためにと言ってすぐにレスポンスしてくれて、私は地震で東京にいたんですけど、ちょっとこうシリアスになりますよね。すごい寂しい時だったんですけど、ニコラからそんなハッピーなサプライズをもらって、私も元気をもらった一人です。ではファンにメッセージをください。はい、Hello everyone, I'm Amui. Let's enjoy my music and with dancing.
今度会う時はフランスのファンたちも一緒に東京に来てください。ぜひそして東京で私のライブを見に来てください。ライブまであのアムウィンさんの PV をねうちの曲でも流してるのでみんな J-TOP 投票などよろしくお願いします。D ライト、ブラー、そしてアムイさんの曲とも80点でバリバリだった私にはぴったりでした。もう燃えましたね。でこれだけではない、なんとこの後はすぐに北部奈々さんのコンサートを紹介します。漫画パーティーフェスティバルですけれども、私なんとこれからですね北部奈々さんと太蔵さんにインタビューをさせていただきます。こんにちは。まず自己紹介からお願いします。ラブレスのボーカルのナナです。よろしくお願いします。太蔵と申します。ギターを弾いております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラブレス、早速質問したいと思います。一体どんなバンドなのでしょうか？どんなバンド、それを言葉に簡単にできたら楽なんですけど、言葉にできないバンドです。皆さんいかがでしょう？爆発視聴者の皆さんにラブレスのステージを見てもらうわけですけれども、一言ずついただいていいですか？ヨーロッパの皆さん、ラブレスの音楽は説明するよりも一番体験してほしいと思ってます。ぜひこの後のライブをお楽しみください。自由な場所なので、みんな参加しに来てください。じゃあ私もこれからライブに行きたいと思います。ですね、アムウィーさんと北出奈々さんラブレスのコンサートを見ていただきましたけれども、今日はなんとトリニダンの皆さんにインタビューしたいと思います。こんにちは。お一人ずつ自己紹介お願いします。マイクは、はい、トリルダンベースボーカルのマルです。よろしくお願いします。トリルダンのドラムのギバです。よろしくお願いします。トリルダンのギターボーカルのジュアンです。よろしくお願いします。アンカマっていう会社のビシビシというラベルがあるんですけれども、そちらから今度は PV などなど出される。一体それはどういうプロデュースでどういうお話で決まったんですか？2年前の、ジャパンエキスポのつながりで、知り合った方がいて、でその方の紹介で今回フランスでレコーディングをして PV をもうつい先日撮ってきて、はい、仕上がりが楽しみです。これからもまたビシビシさんと一緒に仕事を続けていかれるということで、はい、いいでしょうか？行きたいです。今日のライブ、ちょっとどんなライブになさるのかちょっと聞かせてください。意気込みなど。はい、先ほどリハーサルを終えてきたんですけども、非常に気持ちのいいステージで、もうあとは本番を楽しむばかりなので、ぜひたくさんの人に見てほしいと思います。はい、自分たちのやれることを、ステージ上で精一杯やりますので、皆さん一緒に楽しみましょう。2年ぶりのフランスでのライブなので、たくさんのフランスの方に見てもらえるといいなと思ってます。頑張ります。よろしくお願いします。いかがでしょうか？ライブ、漫画、パーティー、コージーやセシル・コルベルさんのライブもありました。本当にパワフルですね。
commence les concerts avec Keke Newell, qui est le projet solo de Kishino Kazuyuki, le leader du groupe de noise rock Zenigeva. Avec Keke Newell, on peut dire que Kazuyuki se lâche dans le très expérimental, et si ça vous botte, il sera là pour plusieurs dates, dont le 21 à Paris à l'IRL Espace Mercure. On passe ensuite à trois groupes de rock qui viennent ensemble, les Tokyo Pincelox, les Honda Lady et les Galapagos. Actuellement en pleine tournée européenne, vous pourrez profiter de leur musique à deux occasions en France. Ils seront le 17 à Paris au Star Café et le 18 au Havre dans la salle Magic Mirrors. Les Marseillais pourront profiter de Maruosa le 22 à l'Embobineuse. Et si vous ne connaissez pas trop ce personnage, sachez que c'est un grand musicien de breakcore, un style plutôt électronique et donc assez hardcore. Quelques jours plus tard, il y aura Dora Video. Attention, rien à voir avec une certaine exploratrice. En fait, Dora vient de Doraemon, ce personnage si populaire au Japon qui a la capacité de sortir des inventions folles de la poche de son ventre. Ensuite, vidéo, c'est parce que ce projet utilise une vidéo diffusée sur un grand écran. Quand on tape sur la batterie, ça envoie des informations à un ordinateur qui les interprète et modifie ainsi la vidéo à l'écran. Un concept pour le moins original. On termine avec Pinky Doodle Poodle qui seront de retour à Lille à la rumeur le 28 et à Paris le 6 novembre au Star Café. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, entre autres, nous aurons Shimizu Shota avec Love. Il y aura également TM Revolution avec Flags, qui est l'opening de l'anime Sengoku Basara Gekijo Oban, et c'est la chanson thème du jeu vidéo du même nom. Il y aura également Meg avec Secret Adventure, aussi Hike Driver avec Sakura Chiru Kazeni Mao, un clip super amusant avec un petit skateboard et deux doigts qui le pilotent et il se balade sur des jeux de Famicom, si je ne me trompe pas. Il y aura également le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura Shounan no Kaze avec Jun Lenka, donc un tube de 2006, une chanson superbe, magnifique, et en fait elle me touche particulièrement moi dans ma vie, parce que en 2006, je me souviens encore de cette époque où en fait j'avais une petite émission sur le web, voilà, j'avais ma petite émission de radio où j'expliquais en fait le Top Oricon. Toutes les semaines, je vous diffusais les 10. À croire que je passe ma vie dans le train. Je préfère même pas essayer de calculer toutes les heures que j'y ai passées, ça risque d'être un peu déprimant. Bon, ce qui me console un peu, c'est que j'ai passé la quasi-totalité de ces heures à jouer. Avec ma DS ou ma PSP. Et maintenant, je suis plus la seule. Et ça, c'est bien. Il reste encore quelques infatigables travailleurs scotchés à leur laptop ou à leur tableur, là, en train de travailler dans le train. Mais bon. Mon train, je vais le rater. À la prochaine.